Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour la guidance intemporelle de ce mercredi 30 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pensée positive de ce 30 octobre, miroir. Nous sommes souvent les premiers responsables de l'attitude qu'adoptent les autres à notre égard. Changeons et ils changeront aussi. Les rapports humains, eh bien, fonctionnent comme des miroirs. Belle pensée positive. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 19. Ne juge pas ceux qui ne te comprennent pas. Qu'importe leur pensée. Si cela te touche, eh bien demande-toi si tu es en osmose avec tes choix. Alors, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. Le conseil côté finance de cette carte, eh bien, pour certains d'entre vous, ce que l'un possède, l'autre ne l'a peut-être pas. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de transparent. Sachez écouter vos besoins. Ils suffiront à votre équilibre financier. Remettez-vous en question, n'est-ce pas? Côté professionnel, votre travail ne fait pas de vous ce que vous êtes. N'essayez pas de devenir ce que l'on vous impose, parce que vous risqueriez de vous perdre. Alors pour certains d'entre vous, eh bien peut-être que vous n'êtes pas à l'endroit idéal, mais vous êtes vous déjà posé cette question. Est-ce que vous vous sentez bien au point de vue professionnel? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que votre travail, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne voudriez pas être dans un autre domaine ou dans une autre ville? Posez-vous ces questions. Côté sentimental, chaque histoire est unique. Bien oui, chaque histoire est unique. Et chacun la vit à sa façon, parce qu'on est tous différents, n'est-ce pas? Ne restez pas blessé par des mots ou des pensées négatives sur votre situation sentimentale. Si votre vie amoureuse vous comble ou si votre choix d'être seul vous convient, alors, n'est-ce pas, rien ne peut vous faire de mal. Par contre, dans le cas contraire, eh bien, il serait peut-être bon de vous demander si vous vivez ou subissez votre situation. Est-ce que vous vivez cette situation présentement, ou est-ce que vous la subissez? Il y a bien des questions que vous devez vous poser, n'est-ce pas? Je termine pour le conseil spirituel. Eh bien, il n'existe aucune vérité qui nécessite d'être imposée aux gens qui vous entourent. Si vous pensez être jugé ou ridiculisé pour vos connaissances spirituelles, n'est-ce pas? Et que cela vous fait mal, eh bien alors, il est temps de comprendre que vos croyances ne servent qu'à vous et pas aux autres. Vous ne pouvez pas les partager. Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas, si les autres ne vous comprennent pas. Ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que vous, vous vous compreniez. Et puis peut-être que
les autres ne sont pas ouverts à cette spiritualité, n'est-ce pas? Donc, ce n'est peut-être pas le moment pour eux, et ils ne seront peut-être pas ouverts dans cette vie-ci, qu'ils le seront peut-être dans une autre vie. Eh bien voilà pour le message de la carte numéro 19, et je termine avec Ho'oponopono. Tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie, eh bien, est le résultat de mes pensées. Mais évidemment, tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, n'est-ce pas, eh bien, provient juste de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%, et moi je dirais à 150%. Eh bien voilà, la petite guidance, le message de ce mercredi 30 est terminé. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.